Salut tout le monde, c'est Kira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Subnautica. On est parti pour la suite de notre aventure sous-marine. Nous sommes encore une fois dans notre base. La dernière fois nous l'avons, bah écoutez, agrandi. Ça commence vraiment à ressembler à une vraie base et on a surtout de l'espace pour construire des choses et ça c'est vachement sympathique. Alors on m'a beaucoup parlé de la combinaison prone, je savais pas ce que c'était. Apparemment vous m'en parlez depuis 3, 4, 5 épisodes. En fait le souci c'est que je lis presque plus du tout les commentaires YouTube. Et c'est des gens qui m'ont alerté sur Twitter que la combinaison prone c'était en fait pas une combinaison mais plutôt une... comment on appelle ça? Un vaisseau en fait, un véhicule. Donc si vous avez des conseils à me donner, venez sur Twitter, c'est beaucoup plus simple. Vous venez sur Twitter, vous laissez une petite astuce, une petite idée, quelque chose, et je vous lis direct en fait. Donc c'est pour ça, Twitter c'est le meilleur moyen de communiquer avec moi, c'est pour ça que je le répète très souvent. Les commentaires, il y en a beaucoup trop, je sors trop de vidéos, généralement j'arrive pas à suivre. Donc voilà, alors du coup bah, la combinaison prone en fait, bah on va pas la créer tout de suite, c'est un véhicule. Donc c'est pour ça au début je pensais que c'était une combinaison qu'on mettait sur soi, mais pas du tout, ça n'a strictement rien à voir. Donc dans cet épisode, je vous rappelle qu'il nous manquait de la magnétite afin de construire la centrale thermique. Donc on peut faire de l'aérogel maintenant, parce qu'on a débloqué les petites glues machin. Alors ils sont là normalement, voilà, alors je vais vous montrer. Bah tiens, on va en faire, on va faire un peu d'aérogel, ça pourra nous servir plus tard. Donc hop, l'aérogel est débloqué et donc maintenant on peut faire de l'aérogel. Donc ça on sait comment en faire. C'est maintenant la magnétite qu'on va devoir trouver et ça, ça va être le plus compliqué. Parce que la magnétite, j'en ai aucune idée où ça se trouve. Donc ce qui va se passer en fait dans cet épisode, c'est qu'on va aller faire de l'exploration. On va faire énormément d'exploration parce que de toute façon on n'a pas grand chose à faire à part ça. On m'a proposé d'aller explorer l'Aurora parce qu'il y a pas mal de fragments à récupérer. Je peux aussi explorer les environs parce qu'il y a certainement des choses à trouver. Donc je pense qu'on va partir pour de l'exploration et ce sera vraiment pas mal. Donc avant tout nous allons également manger tous les poissons ici. On va aussi prendre de l'eau sur nous et boire immédiatement d'ailleurs. Hop, voilà, on va manger également. On va se cuire ces deux poissons. Et ce sera pas mal, on en aura pour tout l'épisode. Logiquement, hein, au pire on reviendra à la base manger encore un petit peu. Et il n'y aura pas de soucis. Alors j'ai vu qu'on avait un message radio aussi avant. On va aller voir ce qu'on nous dit. On aura peut-être encore une nouvelle capsule, certainement. Ici le Sunbeam. Vous savez, Aurora, nous venons d'un petit transgouffre de l'autre côté d'Andromède. Et nous avons un dicton là-bas. Il n'y a pas de mal sans bien. Et pas de bien sans mal. On dirait que vous avez goûté un paquet de ce dernier. Mais ça veut simplement dire que vous n'avez pas assez eu de l'autre. Ok, vas-y, viens-en au fait. Et peut-être que le bien viendra de nous. Nous recherchons un endroit où nous poser en ce moment même. Nous serons en contact quand nous le trouverons. Sunbeam terminé. Mais ça, c'est des gens qui sont en vie, du coup. Je pense que c'est des gens qui sont en vie. Alors, avant de faire de l'exploration, j'aimerais bien aussi faire un truc. On n'avait pas tout construit. Bon, comme je vous l'ai dit, la centrale thermique, on le fera quand on aura du magnétite. Actuellement, on va pas s'amuser à chercher dans tout l'océan. Quand on tombera dessus, on tombera dessus. Tout simplement. Pour l'instant, on peut continuer à avoir de l'énergie avec des plantes, donc c'est bon. Transmetteur de puissance, on s'en fout, puisque c'est avec la centrale thermique qu'on pourra en créer. En fait, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est des bacs à culture extérieure. Je pense que ça peut être pas mal. Projecteur. C'est pas forcément utile, projecteur là aussi. Donc on va prendre du titane et on va commencer à faire pousser des plantes en extérieur. Alors du titane, hop, on en a. On va en mettre 4, comme ça sera pas mal. Bac à culture extérieure, en fait ce qu'il faudrait c'est mettre des vignes d'orin. Ce serait pas mal. Les champis abyssales aussi, je crois qu'il faut les mettre dedans. On va essayer de faire pousser des trucs. On verra bien, on va tester de toute façon, ça coûte rien. Est-ce qu'on peut être des sacs gélatineux? Ah mais on peut peut-être pas faire pousser ça. Je crois pas. Il y a une couleur spécifique en fait. En tout cas ce qu'on va faire c'est mettre des merde, je viens de le dire en plus. Vous savez les boules jaunes. Ça on va en mettre c'est sûr. Est-ce qu'on a d'autres choses à construire? On a porte étanche, fournit un support structurel et empêche les inondations. Ça on n'a pas fait. Tiens, est-ce qu'on a du caoutchouc en silicone? Je peux pour tester, tiens, caoutchouc en silicone. Où est-ce que ça se place ça? Ah, c'est pas mal ça. En fait ça permet s'il y a une inondation dans une des pièces, ça permet que ça se descende pas en fait sur tout le vaisseau, enfin sur tout l'habitat. Ça c'est vraiment pas mal. Ce que je peux faire là par exemple c'est mettre une porte ici. Ça c'est une bonne idée en vrai. Comme ça s'il y a une inondation de ce côté là ou de l'autre côté, on est protégé. Bon par contre ça met du temps à ouvrir hein. Ça met du temps mais c'est pas con. Bon je l'ai mise ici parce que je me suis dit que c'était vraiment au milieu de l'habitat.
Alors c'est pas débile en vrai, très bien. Ok, porte étanche, donc ça on a construit, donc on voit à peu près à quoi ça sert. L'échelle on a déjà fait, vous avez vu qu'on avait fait un étage là-bas, on avait posé quelques plantes. Bioréacteur on a, ça on a. Réacteur nucléaire qu'il faudrait qu'on fasse aussi plus tard si on a envie d'avoir plus d'alimentation. Ça peut être intéressant. L'unité de confinement pour aliens, malheureusement on ne l'a pas, il nous manque encore des ingrédients. Ici on a tout ce qu'il faut. Station de modification, on n'a pas encore. Là normalement on a tout ce qu'il faut. Et ici c'est surtout des... on pourra se faire un petit bureau. Ça c'est quelque chose à se faire, un petit bureau. J'ai envie de le faire maintenant, tiens. Est-ce que j'ai beaucoup de titane? Attendez, je sais ce que je vais faire un truc trop cool. Vous allez voir. Vous allez voir ce que je vais faire. En fait je vais me faire un petit bureau. Un petit bureau en hauteur ici pour avoir une belle vision. Donc, on va se construire une petite salle multifonction ici. J'ai une petite idée en tête. Quelque chose de plutôt cool. Hop, très bien. On va retourner là-bas. On va faire une échelle. Et on va se faire un petit bureau. Attendez. Qu'est-ce qu'il nous faut d'ailleurs pour faire des choses? Il faut juste du titane, fil de cuivre, cadre photo, du verre également. Enfin, une table en verre. Attendez, j'ai des petites idées là. Du cuivre. J'ai vu que j'avais du cuivre aussi. Du cuivre. Ouais, c'est des choses qui sont inutiles. Mais c'est toujours cool à faire. Qu'est-ce qu'il me fallait? Fil de cuivre, oui, j'ai dit. Du verre également. On va se faire un petit bureau. Un petit bureau bien sympathique. Qui servira à rien, certes. Hein, mais qui peut nous être utile. On va reprendre du titane. Bon, le titane, faudra aussi en récupérer. Mais ça, il n'y a pas de problème. On en a toujours. Hop, c'est parti. Alors, ma base est assez renforcée pour l'instant. J'ai pas l'impression d'avoir d'inondation. On n'a pas de craquelure dans la base, donc ça a l'air d'aller. Donc là, on va monter ici. Hop, ensuite, on refait un étage là, du coup. Hop, on va se faire une échelle de ce côté-là. Voilà. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Tiens, ça, j'avais pas terminé. Voilà, le petit pot. Oula, qu'est-ce qui se passe? Oula, tout va bien. Et ici, du coup, on va se faire un petit bureau. Alors, par la suite, on mettra des vitres pour avoir une meilleure vision, parce que là, c'est vrai qu'on voit pas grand-chose. Mais là, pour l'instant, j'ai pas assez de verre pour le faire. Alors, du coup, donc, qu'est-ce qu'on a? Notre bureau. Ah, mais on n'a pas de bureau. Ah, si, bureau. Nice. Bon, on va faire ça là, regardez. Ça va être excellent. Moi, je vous le dis, ça va être excellent. Le bureau ici. On va se mettre chaise pivotante, chaise de commandant. Oui, oui. J'aurais plus la mettre là, du coup. Je crois que je vais avancer plutôt le... On va avancer le bureau parce que là je suis un peu loin, je vous avoue. Je suis même très très loin. Alors attendez, il faut sauter dessus. Attendez, on va réussir à placer ce truc là. Voilà. Voilà. Excellent. Est-ce que je peux m'asseoir dessus en vrai? Je peux pas m'asseoir dessus, je pense. Attendez. Ah si, on peut s'asseoir. Pourquoi je peux pas? Ça marche pas? Putain, ça marche pas. C'est pas ça qui gêne? Attendez. Ah si, c'est ça qui gênait. Ok. Oh, excellent. Oh oui. Oh, j'adore. Très bien, donc le bureau, faut le mettre un peu plus loin du coup. On va le mettre un peu plus loin parce que sinon je peux pas m'asseoir. Ouais. On va le mettre. Non, là c'est un peu... Ouais, je sais que ça sert à rien ce que je suis en train de faire. Mais pour moi c'est important. Est-ce que je peux m'asseoir là? Pas assez de place pour s'asseoir. Mais réellement? Mais c'est pas vrai. Attendez, vous foutez de ma gueule là. Le bureau, je vais pas le mettre à 10 km. Alors s'il me dit qu'il n'y a pas assez de place, je comprends pas. Ah voilà. Voilà, bon, le bureau est un peu loin, je trouve ça dommage, mais bon, c'est pas grave, au moins je peux m'asseoir sur ma chaise. Et ça, c'est excellent. Incroyable. Du coup, on peut mettre quoi? Écriteau, cadre photo. Un cadre humain là où vous pouvez envoyer une photo issue de galeries des PDA compatibles. Oh, excellent. Est-ce qu'on met ça derrière? On va mettre ici, tiens. Donc là, je peux afficher une photo du coup. Gestionnaire de photos. Appuyez sur F11 pour prendre une capture d'écran. Ah, d'accord, il faut prendre une capture d'écran en fait. Très bien. Attendez, on va tester. Je sais ce que je vais faire. On va prendre une capture d'écran et ensuite, en fait, on va la placer. Excellent. Ah, je m'amuse bien. Prendre quelque chose de joli quand même, un minimum. Hein. Bon, là, c'est juste pour tester, après on verra. Capture d'écran de ça, regardez. Voilà, capture d'écran sauvegardée dans le PDA. Et donc là, on peut y retourner. Logiquement, on va pouvoir placer une petite photo. Alors c'est pas du tout ce que j'avais prévu dans cet épisode les potes, mais au moins on a des choses à faire et ça c'est cool. Donc là on peut poser une photo du coup. Transférer.
Oh là là, mais tellement cool! C'est trop bien en vrai! En vrai, c'est con, mais je trouve ça trop cool. Très bien, donc le cadre photo. Donc la table de verre, bien entendu, qu'on va placer au milieu. Juste là, avec des petites chaises. Est-ce que la table de verre, ça va peut-être pas dans l'ambiance du truc. On peut peut-être un petit bureau. Enfin, c'est pas un bureau, ça, c'est plus une paillasse, ils appellent ça. Placer ça ici. Très bien, mur végétal. Oh, c'est trop beau ça aussi. On va mettre ça là, tiens. Oh, c'est trop beau, la vache, c'est trop cool. Et une poubelle, bien entendu, à côté. Le mec se fait tellement chier. Je peux pas placer une poubelle? Ah si, je peux la placer là. Pourquoi je peux la placer que là? Je peux pas la placer ailleurs, vous avez vu? En fait, on peut la placer uniquement sur ça. Ok, bah pourquoi pas. Donc la poubelle, elle sert vraiment parce qu'on peut vraiment jeter des objets en fait. Ça permet de détruire des objets. Donc ça peut être utile. Et une... Ah mais non, ça c'est dispositif de confinement nucléaire. Ah ça, j'aurais peut-être pas dû le mettre là. C'est pas une poubelle ça. Ça c'est les trucs nucléaires. Non, ça c'est la poubelle. Et ça, la poubelle, je peux la mettre ici. La poubelle, je vais la placer là. Une grosse poubelle. Et là, on peut jeter des trucs dedans. Excellent. Très bien, donc voilà mon bureau. J'ai rien d'autre à construire. On peut se faire quand même une fenêtre. Tiens, voilà, vu que j'avais du verre. Oh là là, excellent. Si c'est pas joli. Si c'est pas magnifique tout ça. Incroyable. Donc voilà mon bureau. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc je peux me placer ici. C'est la chaise du commandant. Et je suis bien placé. Voilà, ça sert à quoi? À rien du tout. Mais au moins, on essaye de faire des choses. Voilà, on construit des choses. Et ça, c'est le principal. Ok, c'est cool. J'aime bien le truc cadre photo. Je trouve ça super intéressant de pouvoir mettre des screens de, bah, de notre aventure. C'est vachement cool. Bon, donc maintenant, on va avancer dans l'histoire. Ce serait cool de découvrir plus de choses. Là, de toute façon, j'ai tout construit. Hein. J'ai rien d'autre à faire à part le réacteur nucléaire, mais ça, c'est pour plus tard. Et à part la centrale thermique. Oui, je devais faire du coup le bac à culture d'extérieur. Donc, on va reprendre du titane. Du titane. Donc, j'avais dit que j'en faisais 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 4, 5. Donc on va faire des bacs à culture extérieure. À l'extérieur bien entendu hein, vous en doutez. Oh, est-ce qu'on va pouvoir faire ça? Bah écoutez, là on a de la place hein. Je pense qu'on va faire ça ici. Je pense que c'est une bonne idée de faire ça là. Ouais, on va faire ça ici. C'est très bien caché en plus de tout. On va construire ça juste là. Hop. On va les coller hein, du coup hein. On va les mettre vraiment à côté. Cultiver des plantes extraterrestres, une stratégie de survie qui a fait ses preuves. Oui, bah c'est ce qu'on a prévu de faire. Craig McGee a survécu 47 mois avec une alimentation saine à base de salade de bec, cafard et de putri racine. Merci pour l'info, commandant, si je peux me permettre de vous appeler commandant. Merci beaucoup pour l'info. On va essayer de bien placer ça, si possible. Ok, c'est pas mal. Très bien, donc on a placé 4 bacs à culture d'extérieur, donc ce sera largement suffisant. Et donc on va aller chercher des vignes d'orin du coup, afin d'en poser ici. Tout simplement, comme ça on pourra les cultiver. Ça pourra nous servir aussi pour alimenter le bioréacteur. Et on pourra aussi placer d'autres plantes bien entendu, hein. Là pour l'instant on a juste ça. On pourra placer des projecteurs aussi, parce que c'est vrai qu'on voit pas grand chose ici. Ça peut être pas mal. Donc des vignes d'orin, on en a vraiment pas loin, il y en a à côté. Et ça c'est cool, c'est qu'on a vraiment 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 des plantes pas loin du tout. Je crois que c'était par ici. Ouais, c'est par là. Regardez, c'est ici. Des graines de vigne d'orin. Alors est-ce qu'on doit placer... Alors attendez, j'ai un doute par contre. Est-ce qu'on doit placer... On doit placer ça? Bah oui, on doit placer ça en fait. Échantillon. Non, on doit pas placer les échantillons de vigne d'orin. D'ailleurs on va en manger un peu, tiens. Allez, on peut en manger, donc on en profite. Et oh, c'est gratuit. C'est moins cher que gratuit. Je pense pas qu'on puisse planter directement ça. Il nous faudrait les boules. Là, ici. Ici. Ça. Est-ce que ça on peut les planter? Oui, c'est ça qu'il faut planter. On va ramasser un maximum. Inventaire plein. Ah, attendez, on va mettre dedans. On va se faire un petit... Ah, mais on a encore des choses dedans. On a encore du titane. Je les ai toujours pas reposé. D'ailleurs, j'avais aussi un œuf alien à l'intérieur. J'avais encore du titane dans mon simote. Ça fait un petit moment, hein. C'est bien, comme ça, ça va nous faire du titane. On en avait presque plus. Tant mieux, ça nous arrange. Ça nous arrange. Des graines de vigne d'orin. Alors, on pourra mettre d'autres choses. Hein. Là, je prends les graines de vigne d'orin parce que c'est ce qu'on a
peu plus proche. Et ça va être utile. Oh, regardez. What the fuck? Attendez, il y a des... Me dites pas qu'il y a du gel stack à côté. Il y a des sacs gélatineux à côté de notre base. Alors qu'on a été super loin pour les trouver. On avait même posé une balise. Bah c'est là-bas, sac gélatineux et rubis. On a posé une balise super loin. Alors qu'il y avait des sacs gélatineux vraiment pas loin. Ça c'est vachement dommage ça en vrai. Hop tiens, on va en profiter pour réparer notre vaisseau aussi qui est abîmé. Non, non, je voulais pas faire ça. Je ne voulais pas faire ça. Réparation en cours. Hop. Alors du coup voyons si on peut planter tout ça. Alors utiliser pot de fleurs. Écoutez, ça a l'air de marcher. Ça a l'air de bien marcher. Donc on peut en mettre 6 à chaque fois. Ok, c'est pas mal. Après on va pas en mettre trop non plus, hein, y a aucun intérêt. Donc là ça va logiquement pousser. Et ça va devenir des plantes tout simplement. Est-ce qu'on pourrait installer des projecteurs? Parce que c'est vrai qu'on voit pas grand chose en fait. Donc il nous faut du titane et du verre. Pour tout. Ouais, est-ce qu'on peut créer du verre? Je crois qu'on peut en créer un. Je crois qu'on peut créer un verre. On peut en créer deux. Ok, tant mieux. On va mettre des projecteurs. Comme ça on verra un peu mieux ce qu'on cultive. Parce que là on est un peu dans le noir complet. Qu'est-ce qu'on peut faire là? On s'en fout. Très bien. On va retirer ce qu'il y a dans le simote aussi. Et est-ce qu'on va encore chercher des graines de mine d'orin? Je sais pas si c'est très utile de récupérer encore des graines de mine d'orin. J'en ai aucune idée. Est-ce que ça sert d'en mettre énormément? Je ne sais pas. Après ça nous sert d'alimenter le bioréacteur logiquement. Hop, on va déconstruire le titane. Bon allez, on va encore en chercher. On va mettre plein de graines de mine d'orin. De toute façon j'ai que ça à mettre pour l'instant. Donc on en profite, on va en planter. Surtout que j'ai plus beaucoup de puissance. Donc on va devoir en récupérer des... On va devoir récupérer de la... Oh, tous les rubis que j'ai. On me rappelait plus que j'en avais autant. Œuf de créature, où est-ce qu'on peut poser ça pour l'instant? On va poser ça là. Hop. On va boire un petit coup. Oui. Alors, le projecteur. Alors je crois qu'on pourra le déplacer après, hein. Y a pas de soucis s'il est mal placé. Bah écoutez, on va le mettre là, je pense. Je pense que c'est le mieux. On va le poser ici, tiens. Alors est-ce qu'il éclaire bien? Ah mais ça. Ah oui d'accord, mais je l'ai placé du mauvais côté du coup. Je l'ai totalement placé du mauvais côté, très bien. Projecteur. Mais ça éclaire mal, non? Je trouve que ça éclaire super mal, on va le poser là. Ah mais c'est pas ça que je veux. Ah non mais ça, en fait ça éclaire en hauteur. Attendez, non mais non, mais ça va pas du tout, moi c'est pas ça que je veux. On va essayer de poser ces projecteurs là. Là je pense que ça ce sera mieux. On va essayer. Ouais je sais, j'ai plus d'oxygène, je sais. Ah mais c'est pas du bon côté. Ah j'en ai pas. Je vais retourner à mon simote. Oui, je sais. Je sais bien. Ah ça c'est déjà mieux. Non. Pourquoi il marche pas? Ah mais ça se met pas en... Ok, je viens de comprendre, très bien. Ça se met à l'intérieur, ça se met en extérieur tout simplement. En fait y a rien à comprendre, je me fais chier depuis le début pour rien. Donc si j'essaie de le placer comme ça, peut-être que ce sera mieux. Là c'est clair comme ça. Ouais bon, je suis pas très convaincu hein, par les projecteurs. Mais bon pourquoi pas. J'ai envie de dire pourquoi. On va dire pourquoi pas. Je vais en mettre un autre ici si possible. Ou alors pour éclairer la base un peu plus de ce côté là. Si je mets d'autres choses. Je suis pas vraiment convaincu hein. Ok, c'est très mal placé. Ouais, je pensais que ça allait éclairer beaucoup plus et que c'était pas comme ça en fait. J'imaginais pas un truc pareil. Mais bon, c'est pas grave, au moins on a fait le truc, hein, c'est rien. On va placer l'autre projecteur là. Putain, j'arrive pas à le mettre quoi, c'est incroyable. En fait, il se met trop comme ça, j'aime pas. On va le placer ici. Très bien. Bon, allez, on va rechercher encore des graines de mine d'orin. Et
ensuite on partira en exploration. Donc cet épisode en fait finalement on est surtout resté à la base. Je pensais pas qu'on allait faire ça, mais bon, on a fait des choses, c'est le principal. En fait voilà, comme je dis, tant qu'on fait des trucs, y a pas de souci. Et j'avais pas allumé. Oh non, il y a plus de place dans ma caméra. Bon bah écoutez, il n'y a plus de place dans ma caméra, donc vous n'aurez plus mon visage jusqu'à la fin de cet épisode. Je sais pas quand ça s'est arrêté du coup, j'ai pas fait attention. Mais ouais, plus de place malheureusement. Bah écoutez, c'est pas grave hein. Pour une fois vous aurez pas ma caméra. Voilà, c'est rien. J'aimerais que ce soit très grave pour vous. Même si vous aimez voir mon visage hein, je sais. C'est très bien que vous aimez voir mon visage, mais bon. Voilà, voilà. Alors, hop, je sais pas, j'espère que ça s'est pas arrêté depuis le début. J'espère que ça s'est arrêté il y a pas longtemps. Parce que sinon, ce serait un peu emmerdant. Enfin, ce serait dommage surtout. Hein. C'est pas emmerdant non plus. Hein. C'est pas comme si la vidéo s'était arrêtée. Ce serait juste un peu emmerdant. Donc, on va en mettre dans le 6 mode du coup. Hop. On va replanter encore des graines de mine d'orin. Hop, on va en mettre. Voilà, on va récupérer. Voilà, des graines de vinorin. Et on se casse et on rentre à la base. Où est la base? Elle est là-bas. Non, ça c'est la capsule. Le mec se trompe. La base est là-bas. C'est bizarre de jouer et de pas être filmé en fait. J'avais testé un jour sur la chaîne YouTube d'arrêter de mettre ma caméra. Et mon dieu, comment ça a gueulé dans les commentaires. C'était vraiment incroyable. Hein. J'avais l'impression d'avoir affaire à des fous furieux. Parce qu'en fait, j'en avais eu marre de mettre ma caméra parce que je me sentais mieux en filmant sans la caméra. Parce que des moments, j'avais la tête dans le cul et tout ça. Et voilà, je l'avais enlevé et putain, ça avait gueulé comme pas possible. Vous vous en rappelez, hein, vous étiez certainement là. Très bien, pourquoi je sors? Je ne sais pas. Enfin, pourquoi je rentre plutôt. Hop, on va continuer à poser des plantes. Donc là, on peut en poser encore une. On va en poser ici. Incroyable. Des graines de vigne d'orin. C'est la fête. On va récupérer les 4 dernières à l'intérieur. On mettra pas que ça, vous inquiétez pas. Hein. Là, c'est juste pour eux. Pour débuter. Hop. On peut encore en mettre dedans. On peut encore en mettre deux. Et on en met deux là. Très bien, donc voilà. Donc on a planté nos graines de mine d'orin. Donc ça va vraiment devenir des plantes immenses. Et on pourra s'en servir pour avoir des graines de mine d'orin. Voilà, c'est incroyable. Ce jeu est vraiment incroyable. Donc ce que je vous propose, c'est de partir pour faire de l'exploration maintenant. Pour terminer cet épisode, si je peux dire, en beauté hein, même si on n'a pas fait grand chose à vrai dire. Donc je vais reposer tout ce qui me sert à rien, donc j'ai des piles sur moi, j'ai encore une batterie haute capacité. On va boire un coup, on va poser les champignons abyssales, parce que ça me sert à rien là actuellement. J'ai pas essayé de les planter, mais je crois qu'on peut pas. On va garder, bah non, on va même poser l'eau désinfectée en fait. De toute façon, là on aura largement assez pour. Ah merde, hors tension! Ah, on a plus d'énergie! Oh merde, on a plus d'énergie! Bah écoutez, c'est pas grave au pire. Hein. En vrai, c'est pas grave. Juste reposer ça. En vrai, j'ai encore assez de faim pour survivre. Très bien, donc c'est parti pour l'exploration. Alors, vous allez me dire où est-ce qu'on va aller. Et bah moi, j'en ai aucune idée. Je pense qu'on va traîner autour. Alors, on va pas aller à l'Aurora. Je pense pas qu'on va fouiller l'Aurora maintenant. L'Aurora, on va le fouiller, mais pas tout de suite. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de l'exploration aux alentours. Alors, je vous rappelle qu'on peut aller qu'à 300 mètres de profondeur. Est-ce qu'on n'utiliserait pas le Cyclops? J'hésite beaucoup parce que c'est vrai que 300 mètres de profondeur, c'est pas énorme en soi. Est-ce qu'on avait pas des choses à fouiller dans le coin là? Alors ça on l'avait fouillé si je me rappelle bien. Ça est-ce qu'on l'avait fouillé? Ouh là là! Ah mais ça je prends des dégâts parce que je descends trop rapidement mon vaisseau. Bon ça c'est vrai voilà, ce bras de forage pour combinaison prone. Est-ce qu'on l'avait ça? Regardons. Et on ne l'avait pas. Donc on découvre des choses pas loin. Pas loin de notre base. Vous avez vu, il y a des choses utiles. Pas très loin. Ça c'est quoi ça, on n'a pas besoin. Je vais aller regarder là-bas. On a du quartz. Je pense qu'au prochain épisode on pourra aller fouiller l'Aurora. Je pense que c'est une bonne idée. Ça peut être vachement cool de fouiller l'Aurora. Pour voir d'ailleurs s'il y a des choses qui ont changé depuis l'alpha. Parce qu'à l'alpha on avait été aussi le fouiller l'Aurora.
Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, ça doit être le truc pour la centrale thermique, si je me rappelle bien. Donc on a déjà, c'est pas grave. On prend quand même, ça nous fait du titane. Du sel. Du sel. Oh putain, j'ai eu peur. Oh mon dieu, j'aime pas ces mobs là, ils sont horribles. Je déteste ces mobs là. Ouais, on pourrait aller un peu plus profond avec le cyclops, mais ça m'emmerde un peu. Oh, attention, on remonte. Après on peut descendre un peu avec le cyclide si on a envie hein. Pas de problème. Ouais, après là-bas c'est beaucoup plus profond. En fait le cyclope c'est cool parce qu'il nous permet d'aller plus profond. Mais il est tellement pas maniable. Qu'est-ce que c'est que cette créature? Ça j'ai jamais vu par contre. Elle a l'air d'être invisible presque. Elle est transparente. Et donc je disais le cyclope c'est cool, il permet d'aller à 500 mètres de profondeur, mais il est tellement pas maniable en fait. C'est assez, assez horrible de le contrôler. Y aurait-il des choses intéressantes par ici? Dites-moi. Dites-moi. Ça, ça balance des pics si je me rappelle bien. Oula. Oulala. Oulala. Là, il y a quoi? Il y a du titane. Très bien. On s'en fout. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, on n'a jamais vu ce poisson-là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Envoûteur. Oh putain, on est en train de nous tirer dessus. Oh putain, on est en train de nous tirer dessus en même temps. Oh putain, est-ce que je peux pas le prendre ça? Envoûteur. Je sais pas trop ce que c'est, mais j'ai pas pu le choper du coup. Ouais, on découvre des choses. Le mec trop content, tu sais. Ouais. Ouais, on a découvert des choses. Trop bien. Attendez, il y a peut-être des choses intéressantes là. S'il y a un poisson qu'on ne connaît pas, il y a forcément des choses intéressantes. Hop, bordel. Eux par contre, ils sont pas très gentils, eux. Pas très gentils, peuvent nous détruire le vaisseau assez facilement. Ok, regardons, regardons, regardons. Là, j'avance dans l'inconnu. Hein. Totalement dans l'inconnu. Mais c'est comme ça qu'on découvre des choses. C'est en avançant dans l'inconnu. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. Est-ce qu'on peut le scanner? Fragment de salle de scanner, donc on a déjà. C'est incroyable. Tu te demandes pourquoi il y a les fragments de la salle de scanner ici, en fait? C'est une question que je me pose, ça. D'ailleurs, faudrait faire fonctionner la salle de scanner également. Est-ce qu'on peut trouver des fragments aux alentours? Et je n'ai pas fait. Je sais pas si on peut trouver du magnétite avec la salle de scanner. J'ai même pas regardé, tiens. Faudrait qu'on essaye. Bah dis donc, c'est assez sympathique ce coin. Ça, c'est des créatures qu'on connaît également. On est loin de notre base, là. On est à 1000 mètres. Et on est à combien de la capsule? Tiens, 1771 mètres. Ok. Je regarde s'il n'y a pas des minerais d'ailleurs qu'on connaît pas. Oh putain. Oh putain. Oh non 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 non. Laissez mon Simote. Non, mon Simote il peut tellement se casser rapidement. Alors attendez, on va sauvegarder. J'ai peur des risques. Si mon Simote se casse, j'aurais bien l'air con. Est-ce qu'on essaie d'aller un peu plus profond là? Peut-être tenter d'y aller juste avec le Cyclide et remonter Ok, attendez, je sais ce que je vais faire. Je vais y aller avec le Cyclide. Alors on voit strictement rien, mais c'est pas grave. Oh! Du calcaire. Waouh, du minerai de cuivre, incroyable. Par contre on voit rien du tout, la vache. Ah mais totalement. Ah non mais c'est tellement dangereux en fait. Ouais non mais je peux pas me permettre en fait d'aller d'aller profond dans l'océan comme ça. C'est trop dangereux. C'est dommage que j'ai pas le module d'amélioration niveau 2 en fait pour mon Simote. Ça me permettrait d'aller plus profond. Après ce qu'on peut faire c'est prendre le Cyclops et aller faire un tour aussi également. Quoi? Je suis à 300 mètres de profondeur là? Oh putain, attendez, faut réparer le truc là. Parce que il va pas tarder à péter. Sois réparé, mon ami. Ne meurs pas maintenant. Hop. J'ai tellement l'air con à errer à 300 mètres de profondeur à pas pouvoir descendre plus. Ah, là il y a quelque chose là. Oh, attendez, c'est quoi ça? Oh là là, mais sérieusement? Laissez-moi tranquille, bordel. Qu'est-ce que c'est que ça? Fragment de station de modification. Nice. Oh, attendez, attendez, attendez. Là, on a quelque chose de très intéressant. Peut-être qu'on va au moins avoir un nouvel objet dans cet épisode.
Fragment de station de modification. Alors ça c'est très très intéressant. Il nous manque un fragment, ça nous permettra de modifier certains trucs comme par exemple le réservoir. Oh merde, mais sérieusement quoi. On prend quand même des dégâts quand on conne des poissons quoi, c'est horrible. Encore ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est encore des fragments. Bam! Alors tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi mon gars? Casse-toi! Casse-toi! Casse-toi de là mon gars! Alors il y a un problème! La prochaine fois tu viendras pas m'emmerder! Enfoiré, bah ouais, je suis un peu violent, je sais. Mais ça fait tellement plaisir de pouvoir se défendre en fait de cette façon. C'est super utile en fait ce truc. Hein. J'aurais dû le construire largement avant. Je suis à combien de mètres là dans ma base? Je suis à 1000 mètres. Ah, je suis pas si loin que ça en fait. Je me suis rapproché un peu, j'ai l'impression. C'est tellement plaisir de pouvoir se défendre ainsi, comme ça là. J'ai encore chargé le truc. En plus, il revient assez rapidement, donc on peut se défendre assez facilement contre eux. Bon, ça ne les tue pas, mais. Ça permet de les dégager. Et ça, c'est vraiment pas mal. Bon, bah écoutez, je suis en train de. Pas d'abandonner, mais. Ça m'emmerde beaucoup, quoi. Oh! Putain, l'enfoiré! Putain, dégage! Oh, ils sont. Wow, qu'est-ce que vous faites? Oh, les enfoirés! Ils m'ont surpris, hein! Dégage! Allez, hop! Va-t'en, il y en a énormément par ici! C'est quelque chose d'intéressant, c'est obligé! Oh! Allez, dégage! Ils sont en train de me suivre, ces enfoirés! Cassez-vous! Oh! Je viens de trouver une petite capsule, tiens, c'est cool ça! Regardez ce qu'il y a dedans! Rapidement, on va rentrer à la base! On rentre par où? Ah, par ici! Alors, qu'est-ce qu'il y a? Petite voiture, qu'est-ce que c'est que cette merde? Un outil de survie inhabituel. Ok, pourquoi pas. Casquette grise. Très bien, donc on trouve vraiment des choses étranges. Casquette grise, incompatible avec les combinaisons et protections contre l'environnement. Donc ça c'est vraiment quand t'es chez toi. Une poupée peu commune. Alors je me demande à quoi ça va pouvoir nous servir ça dans le jeu. Je veux une explication. Oh là là, conteneur d'échantillons cylindriques. Alors ça peut-être que c'est un peu plus utile. PDA abandonné, capsule de survie. Ok, et j'ai l'impression qu'il n'y a rien d'autre. Microscope non fonctionnel, inventaire plein. Merde. Ah, il y a des choses à ramasser là, attendez. On va stocker des trucs. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai vu un masque là. Il est où? Je l'ai appris. Qu'est-ce que c'est quoi? Attendez, on va poser des choses. Je vais poser la petite voiture. Scrutine, ça j'en garde un, mais je sais pas si ça va être utile. Pire, je le vire. Hein. On va le jeter. Hop, déposer. Hop, j'ai juste récupéré un peu d'oxygène et encore des choses à ramasser. Là, j'ai vu qu'il y avait un microscope. Oh là là là, il y a une créature qui est pas loin. Du coup, ça, je peux le prendre ou pas? Microscope non fonctionnel, malheureusement. Bah, peut-être que ça pourra nous servir plus tard. Équipement de laboratoire non fonctionnel. Je sais pas, on va peut-être pouvoir le réparer. Aucune idée. Très bien. Très très bien. Des choses toujours très utiles. La casquette grise, là je peux la mettre du coup? Non, pas du tout. Incompatible avec les combinaisons de protection contre l'environnement. Ok, c'est juste des skins qui sont certainement inutiles. Pourquoi pas? J'ai envie de dire pourquoi pas. D'ailleurs j'ai presque plus d'énergie dans le simote, heureusement que j'ai quelque chose. Bon bah les potes, je pense qu'on va rentrer à la base malheureusement. J'ai pas trouvé un quatrième, comment expliquer, un troisième fragment pour le modificateur là. Je suis un peu déçu parce que je m'attendais à le trouver, mais non. Donc on va rentrer sagement à la base et nous allons nous poser et arrêter surtout cet épisode. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. La prochaine fois, je sais pas trop ce qu'on va faire. Soit on va explorer l'Aurora, soit on peut explorer un autre endroit. Enfin, on verra, on va y réfléchir. Et regardez, mes graines de vigne d'Orin ont poussé. C'est incroyable. Oh, ça fait énormément de lumière. La vache à ce point là. Incroyable. Donc là on va pouvoir en récolter tranquillement. Voilà. Mon inventaire est plein. Non, c'est bon. Et est-ce qu'on peut le mettre normalement dans les on peut le mettre dans le bioréacteur. Ça fonctionne dans le bioréacteur, les graines de mine d'orin. Assurez-moi. Yes. Voilà, donc on va pouvoir s'en servir pour alimenter le bioréacteur afin d'avoir de l'énergie entre guillemets à l'infini. Bon bah écoutez, on va s'arrêter là. Alors, on n'a pas récupéré grand chose en vrai là de cette exploration. On a essayé de découvrir des choses, on a récupéré qu'un fragment, il nous en manquait malheureusement un troisième. On va juste poser, qu'est-ce qu'on a récupéré? On a récupéré tout ce qui est microscope et tous les trucs bizarres. On va les poser là.
La casquette grise, on va la poser là. Le conteneur d'échantillons cylindriques, on va également le poser là. Et le reste, on va le poser, hein, c'est parti. Voilà, voilà, voilà. Donc merci à tous d'avoir regardé cet épisode, désolé pour le problème de la caméra. Je pensais pas que ma caméra allait s'éteindre au cours de l'épisode. J'ai pas fait attention à ce qui me restait dans ma carte SD. Merci à tous, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut.